dans un coin de lumière, de nos EHPAD ouverts, personnel en galère. C'est toujours la même rengaine, on ne vaut pas la peine pour les gouvernements. Encore mobilisés en ce 30 janvier pour qu'on parle de nous. Oui, des rapports publiés, mais toujours pas de loi votée, on sait ce qui va se passer. Être les oubliés, les aînés délaissés, et trop loin de Bercy, le cadet de leurs soucis. Pour tous ces salariés qu'on veut remercier, il faut la publier. Cette loi autonomie, ça ne peut plus durer, on va tous en crever. C'est ensemble que l'on marche dans la vie pour faire place à une voix solidaire. Défendre la dignité, le travail engagé qu'on traîne dans la poussière. Ne pas être oublié, aimer les oubliés. En cette nouvelle année, faire de nos lendemains des chemins plus sereins. EHPAD ouvert, personnel en galère. C'est toujours la même rengaine, on ne vaut pas la peine pour les gouvernements. Encore mobilisés en ce 30 janvier pour qu'on parle de nous. Oui, des rapports publiés, mais toujours pas de loi votée, on sait ce qui va se passer. Être les oubliés, les aînés délaissés. Et trop loin de Bercy, le cadet de leurs soucis. Pour tous ces salariés qu'on veut remercier, il faut la publier. Cette loi autonomie, ça ne peut plus durer, on va tous en crever. C'est ensemble que l'on marche dans la vie pour faire place à une voix solidaire. Défendre la dignité, le travail engagé qu'on traîne dans la poussière. Ne pas être oublié, aimer les oubliés. En cette nouvelle année, faire de nos lendemains des chemins plus sereins. Personnel en galère. C'est toujours la même rengaine, on ne vaut pas la peine pour les gouvernements. Être les oubliés, les aînés délaissés, les trop loin de Bercy, le cadet de leurs soucis. Ne pas être oublié en cette nouvelle année, faire de nos lendemains. Plus serein, on est les oubliés.